Voilà, c'est ça. Je reçois la gendarmerie qui m'envoie des mises en garde pour un vol d'une voiture, par exemple. Joël Fontaliran reçoit depuis quelques semaines des messages de ce type. Un véhicule recherché, un cambriolage dans le secteur. En tant que référent sur la commune de Razac, il est le premier à être sollicité par la gendarmerie. C'est les yeux de tout le monde qui surveillent. C'est pas de l'espionnage, c'est pas... mais ça fait partie des citoyens. Voilà, du boulot de citoyen. Joël fait désormais partie du dispositif Participation citoyenne. Un œil grand ouvert sur la vie de son village. Razac vient tout juste d'intégrer le dispositif, mais 42 villes du département y ont déjà adhéré. Ce qu'il faut savoir, c'est que la participation citoyenne, elle est là pour lutter contre les cambriolages. Donc, et comme on a toujours ces délinquances assez prégnantes au niveau cambriolage, la prévention que l'on mène au travers de la participation citoyenne, elle est forcément utile, puisque ce sont des yeux et des oreilles pour nous en plus. À chaque signalement d'un référent citoyen, des gendarmes peuvent rapidement dépêcher une équipe sur place, un partenariat qui a fait ses preuves. Le fait déjà de projeter une patrouille gendarmerie, même si les gendarmes, eux, sur le coup, n'ont pas repéré la menace, la menace, elle, peut repérer les gendarmes et se mouvementer sur un autre secteur. Un système qui permet aux gendarmes de garder un œil sur tout le territoire.